blanche parce que c'est pas mal. Ah, nuit blanche. Bah, tu sais, midi, ça finit à 3h. Vous avez dit 1h. Ah, ah ouais, il a dit 1h du coup. Il a dit 1h. Ouais, mais attends, c'est 2h. On verra. Ah, je sais pas. Ouais, de quoi part ça. 2-3 heures. Ouais, de toute façon, on est là. C'était la musique. Donc, voilà, en plus. En plus. Vas-y, parle à ta pote si ça va pas. Dis-toi, oui, ça va aller. Toujours derrière lui, tu cavales. Il grandit pas et il veut pas changer. Rien que fait des ailes. Il se sent pousser des ailes. Et que tu es la plus belle. Derrière, il branche les poubelles. Ensemble, vous fourniez le coup de l'année. Franchement, le lieu, il est incroyable. Tu t'as piqué une tête après ou quoi? Je crois bien. Non. Il a fait comme ça, il m'a regardé. Ça va? Ça va bien ou quoi? Ça va bien, Kous? Ça va? Nickel? Ouais, on est là. On est là? Pareil. J'aime trop ça. Non. Quand t'interviens sur moi, c'est ça que je vois ça, je suis mort de. Ça va? Salut. Ouais, toi. Alex. Okay. Enchanté, ouais, Alex. Cool? Ouais, ouais, cool, les gars. Ça va, nickel, propre, propre. Qu'est-ce qui fait froid? Au revoir. Et le sang. Bien. Tranquille. Impeccable. Alors, tu es arrivé quand? Ce matin là, à midi et demi, on est arrivé à midi et demi. Ok. C'est le retour là de Alond et Jules. Là vous êtes parti ailleurs là. Il y a un thème, même ouais. au niveau du clip, c'est scénarisé, il y a tout un truc. Moi je savais qu'habituellement on faisait des morceaux. On va dire des morceaux freestyle, mais des morceaux sans thème, un peu. Ah ouais, sans thème, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça a toujours fonctionné. Ouais. Là, vous avez dit, vas-y, viens, on prend un risque, on tente un nouveau truc. Je pense qu'il fallait se rénover dans le duo. Moi, en tout cas, je pense qu'il fallait se rénover. Tu vois, sinon, ça aurait été trop téléphoné un peu. Ouais, ouais. Et comme... Au départ, je t'avais envoyé un truc qui était genre dans le... Un peu comme ça. Comme d'habitude, tu vois. Enfin, il m'a dit, bon, tu vois, c'est mieux, on porte quelque chose d'autre. Parce qu'en solo, on a l'habitude de traiter un peu des thèmes de filles, c'est-à-dire lui, Chiquita ou autre, moi, Binta, tout ça. Je me suis dit, mais on n'a jamais fait à deux. Ouais. Ben, on n'a jamais, ne serait-ce, raconté une histoire ou un thème, tu vois. Mm-hmm. Je me suis dit, ça peut être intéressant, vu que quand tu les fais seul, ça fonctionne, et moi aussi. Mm. Peut-être à deux, qui sait, tu vois. Et je trouve que le résultat, il est très très bien, mais j'ai hâte. Hein. En texto, je lui dis tout le temps, j'ai vraiment hâte que les gens, ils écoutent. Hein. Ah, parce que là, c'est gros clip, quoi. C'est gros clip. Bien scénarisé, même le. Grosse réal. Ouais, grosse réal. En tout cas, moi, de ce que j'ai lu, ça a l'air chaud. Après, moi, Chris, je lui fais confiance. Ouais. C'est pas la première fois que je bosse avec lui. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que tu veux qu'il y en ait un qui danse, ou qu'on les laisse poser? Je sors un autre là, en fin d'année. Ouais, est-ce que tu vas reprendre le rythme du coup? En vérité, moi, je pense. Déjà, là, rien que là, tu vois, normalement, quand. Je suis en mode sur Facebook et tout d'un coup là ça me prend dans la tête, j'envoie un son n'importe quoi. Je fais comme ça. Ouais. Là je sais pas, là je me contiens. Tout que ça soit bien, tu vois, Tu cadres bien le truc là. Ouais, voilà, là tu voilà, suis, là tu cadres et bien le truc. Connais, la stratégie, ouais, je te connais. On l'a jamais connu. On l'a jamais connu la stratégie. Là c'est la première fois là tu te dis vas-y on va suivre le truc. Ouais, j'essaye toi. Depuis le début, il n'y a pas de stratégie, tu imagines? Ouais, mais justement, ta stratégie, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. C'est ça. Au moment, boum. Ouais. Ça et passe. Coup, ça passe. Ouais. Bah, le plus gros truc, quand même, c'est Chiquita sans clip. C'était un truc genre gratuit. J'ai mis dans le gratuit. T'imagines, gratuit, c'est dans l'album gratuit. Comme quoi, tu peux calculer tout ce que tu veux. Ouais. T'as vu? Tu peux calculer tout ce que tu veux. C'est pour ça que. C'est les gens qui décident. Les gens, s'ils ont décidé que Chiquita ça allait être un monstre. De ouf. Et des fois, tu te dis ce morceau, il va tout niquer, il fait rien du tout. T'as grave la haine, t'es au studio, tu te chauffes avec c'est tes gars. Sûr, tu dis lui, c'est sûr. Tu dis lui, c'est sûr, c'est ce petit... morceau. Ouais, c'est lui. C'est ma mère. Et des fois, tu te dis lui, je l'envoie comme ça, vite fait. Jure, moi, ça m'a fait pareil pour le morceau Santana. Là. Je te jure, mais c'est ce que j'allais dire. C'est quoi le Santio? Dedans, je parle en comorien, je parle de Game of Thrones, Marcheur Blanc, c'est-à-dire les mecs qui n'ont pas connu Game of Thrones, qui connaissent pas, je sais même pas s'ils comprennent. Moi, tu sais quoi, ça c'est ma punchline préférée, je l'ai kiffé de ouf. Parce que tu connais Game of Thrones. Ouais, et j'ai dit, elle est lourde de ouf. Dans le rap, j'ai trop d'enfants. Je les donne au Marcheur Blanc. Je me suis dit, je vais pas chercher le tube. Je vais rééquilibrer, vu que ces derniers temps je chante beaucoup, je dis je vais essayer un peu de faire un morceau rappé. Donc j'ai même dit accord, tu vois, c'est. Voilà.
peu, qui veulent faire des tubes dans, dans ta BO, laisse-les. Moi, je veux faire un truc. Mais ça papa, il est en train de mais quand de, je l'ai écouté, et c'est ce que j'ai dit à Soso, j'ai dit, eh, c'est une dinguerie. J'ai dit, je sais pas ce qu'il a, Alonso, comment c'est il fait. Mais ça se voit que c'est pas un morceau qui est fait pour que ce soit un but comparé à Pattaya, tu vois. C'est vrai, combien de fois ça m'est arrivé. Un morceau, je crois que c'est une pompe. Et voilà, normal. Non, des critiques et tout. Non, non. Et au final, il est pas passé. Ça m'est arrivé. Cet album-là, là, c'est quel morceau que tu te dis, celui-là, je pense que. Ben, tu vois, déjà, genre là, dans ma tête, genre, tu as eu jusqu'au dernier moment, je te mens pas. Il y avait la petite stratégie de. Juste les dates, il y avait. Mm. Bon, là, on va envoyer ça, là, on va faire ça. Mais normalement, moi, il n'y a pas de date. Mm. Mais là, jusqu'au dernier moment, j'avais d'autres sons à mettre envoyer en premier. Ça veut dire, j'ai fait plusieurs clips et tout, j'ai fait des clips, des sons, jusqu'au dernier moment, je dis, ah non, mais lui. Non, c'est pas lui en premier en fait. Et non, je suis là, ils veulent ça et tout. Non, non. Et au final, tu as vu, au dernier moment, je crois que c'est le jour d'avant. Non, deux jours avant, ouais. Je devais envoyer qu'un son. J'ai envoyé les deux. C'est fou d'avoir encore cet inspi. Toujours avoir inspi comme ça, de trop brancher. Tant que je peux. Ouais, ouais, t'as raison. Je fais. Le jour où j'ai plus. Avant que, ouais, qu'il n'y ait plus et tout ça. Si, hein. Au revoir. Hein. Je pourrais plus. Et je crois que le jour où, je sens que c'est pété ou que je vois que les gens ils adhèrent plus. Je crois que je vais continuer à rapper, mais que pour moi, tu vois. Mmh. En mode. Au moins, ouais, c'est comme un vrai. Dès qu'il y en a un que je sens bien, j'essaie de le renvoyer. Ouais, artiste quoi. Tu fais ton truc, tu fais ton machin, tu le fais, tu le balances. Comme j'ai toujours fait en fait, tu vois. Exactement. Depuis le début, j'ai rappé pour moi à la base. Ouais. J'ai rappé pour le quartier, après j'ai rappé pour la Chine. Même la mère, elle pense à toi. Et la nuit, elle rêve que toi. Tu vois pas, elle est folle de toi. Elle t'aime vraiment, elle est faite pour toi. Il me faut Jules, il me faut Alonz, et du coup on va voir les tenues. C'est pour savoir si tu sais quelle tenue tu dois porter. Non, je sais pas, mais tu sais pas. Me dire un peu, okay. Voir un peu en fonction d'Alonz aussi. Pendant que tu dormais, il faisait la malade. Il voyait des gadgets quand tu étais pas là. Seigneur, faut pas que ça te rende malade. Quand tu l'attendais, lui faisait des balades. Allez, bon débarras. Allez, bon débarras. Allez, bon débarras. Allez, bon débarras. C'est quoi, c'est ça ta tenue? Pour maintenant, oui, okay. La première. Après, je crois qu'il y en a encore trois autres. Raconte-moi un peu le synopsis, je l'ai lu, mais si tu peux me le dire rapidement. Le synopsis, en fait, c'est un couple qui se chamaille. Il y a le gars qui a une maîtresse, déjà, truc classique. Hein. Il y a la copine de la femme du gars qui est en train de lui dire, voilà, ton mec, est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? Elle s'accroche encore. Mmh. Voilà, et nous, un peu, on est un peu dans le conseil, on va dire. Ok, donc vous avez vraiment un rôle au sein du truc, c'est pas des playbacks, vous êtes vraiment un rôle on a un petit rôle, mais on est un peu en dehors de l'histoire, tu vois, mais on conseille un peu, comme si on était un peu ses grands, tu vois. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire. Seigneur, faut pas que ça te rende malade, quand tu l'attendais, lui, c'est des balades. Allez, bon débarras. Allez, bon débarras. Allez, bon débarras. T'as fait ta photo Instagram aujourd'hui ou pas? Tu l'as fait ta photo parce que lui, c'est chaque lieu, il est obligé de faire sa photo classique. C'est là en fait, avec Lewis Hamilton, on l'a laissé 3 jours. On l'a laissé 3 jours celle-là. Celle-là, je peux pas. Pourquoi acheter une photo en plus? Celle-là, elle tue. Quand je l'ai vue, j'ai dit, ah ouais, elle est belle. Like, c'est pas mal. 815 commentaires. On l'a reposté celle-là. Ouais, elle est belle. Franchement, elle est belle. Tous mes pistons, c'est la descendance. Il aime trop ça, je vous dis, est-ce que je laisse des commentaires? Quand j'ai les photos, je le vois là, je dis lui, il aime trop ça. Moi, c'est ma deuxième passion. Non, mais ouais, moi, non, c'est beau. Après le rap, c'est ça ma gueule. Non mais Virgil Abloh, c'est beau le parcours, le truc, ça tue. Il me régale. Et là, il pleure dans les bras de... Il pleure dans les bras. Direct, boum. C'est trop beau, ça c'est... On veut voir ça. Voilà, il y a une Puma que j'ai designée qui va voir le jour logiquement en septembre. Ok, chaud. Voilà, ça commence petit à petit, tu vois. C'est bien, ça. Un peu comme Virgil Abloh, Kanye West, Pharrell et tout, tu vois. Mais je suis trop content. Ça, c'est comme si je fais. Pour moi, c'est comme si j'ai signé un butu.
Tu vois, il y a même Jay-Z là qui a signé un bail avec Puma. Donc, non, il ne signe pas sur les moyens. Il y a du Selena Gomez, il y a Rihanna, il y a Lewis Hamilton, Usain Bolt, il y a MHD, ben voilà. Ah ouais. Non, c'est chaud. Ah ouais, ils sont offensifs. Ils sont. Ok, en coupe, parfait, mortel. C'est un des derniers plans du clip où t'as une ambiance chicha, lounge VIP. Et t'as Alonz et Jules qui vont faire leur playback là sur la pelouse. Et à la fin du morceau, t'as l'acteur principal qui est là-bas avec sa maîtresse. Et il va aller embrouiller son ex qui sera assise là. Et voilà. Ça appartient un peu en sucette, mais voilà. Action! Vas-y, Amy. Il est jamais là, tu crois que c'est normal? Tu lui as donné de l'amour et il va voir ailleurs. Tu vois pas, il veut te passer la pommade. T'as vu sur Snap, elle chante ailleurs. N'oublie pas, il t'a fait trop mal. Tu puisses tes l'iPhone et tous ses contacts. Il a transformé ton corps en grenade. Il ne t'estime pas, t'as juste valeur. Il est jamais là, tu crois que c'est Fif, tu crois? Je suis en train de leur dire. Mais c'est un bœuf. Il y a le gimmick. Il est pas mal, hein? L'histoire et t'sais, tout, il y a tout. J'avais pas écouté le master en fait. Ok. Voilà, ouais. J'avais pas écouté le master. D'accord. Et là, je suis en train de me le prendre en fait. Franchement. Tu vois ce que je veux dire? En boucle, c'est une bonne discussion. Voilà, ça rentre dans la tête. Exactement. Tu chantes les bons débats là. J'avais pas écouté. Il y a l'histoire et tout. Non, mais... je l'ai laissé. En fait, le morceau, j'ai laissé au studio. Ok. T'as fait le truc et t'as bougé. Voilà, et là, je suis en train de me prendre le master. T'as vu? Ouais, il est pas mal, il est propre. Là, c'est pas bien ce que t'as fait par rapport au mec, hein, parce que là, t'es en train de déclarer tous les bisle. C'est une merde. On a pensé à notre petite soeur. Ouais, ok. Ah, bien joué. C'est vrai. On a pas été solidaire avec les gars, Joe. Tu les mets dans la merde, là. Ah, c'est réel, hein. Ouais. C'est la réalité de la chose, hein. Non, c'est vrai. Le thème, ça parle à tout le monde. C'est quoi, toutes les collabs, c'est direct le premier morceau, de suite on l'a enlevé dans le mid. Celui-là, on en a fait un, on a dit attends, on peut faire mieux, tu te rappelles? Maintenant, on refait un autre carrément. Okay. Et l'autre, il est à gauche, après, je sais pas, okay. Faut le réécouter peut-être. C'est vrai qu'il faut le réécouter, ouais. Regardez comment il chauffe, là, comment il nous chauffe, ouais, là. Ah, l'autre c'est ça, on l'a plus réécouté, l'autre. Hein. La transformé ton corps en grenade. Il ne t'attue pas, t'as juste vague. Il est jamais là, tu crois que c'est normal. Il y a des amoureux, il va voir ailleurs. Tu vois pas qui veut passer la pommade. Bon, petit problème, les aléas du tournage. Ça a disjoncté, tout a sauté, plus de musique. Donc on est en mode pause jusqu'à je ne sais pas quoi. On va voir, Chris va régler ce problème là. Chris est en enquête, Chris mène l'enquête. Gilles. Aïe, Chris commence à gueuler. Il a appelé Gilles. Ça va chauffer. Il y a la sœur de Charles qui est là. Je t'affiche vers comme été, jamais crié m'aider. Je parle pas, je dis rien, mais n'oublie pas qui tu étais. Appelle-moi Enrico, à Paris j'en invito. J'aime pas les mythos, tu pas la bite toi. J'aime pas les BDH qui traînent avec l'autre parce que l'autre a du cash. Mais ils auront mes cash, ouais, moi je te le dis cash. Tu vas manger ma gauche, je vais te refaire le visage. Ah, le son il est chaud, hein. Ouais. Ah, le son est vraiment bien. Ah, non, bien joué. Par contre, tu combien de temps, il fait quoi, 5 minutes 5 minutes et quelques, voire 6. Ouais. Ça c'est les meilleurs morceaux pour moi. Qui cache. Je suis obligé, tu vois, dans la bande. Bah ouais. Il y a un morceau rap aussi avec ce Fianso. C'est rap. Ouais. Et ça. J'avais vu les images, enfin les snaps quand vous étiez sur le tournage là. C'était où ça? C'était dans le 9-3 ça? Ça c'était ouais. C'était ça. Dans le 9-3 on était. Avec Fianso, ça c'était pour. C'était rien à voir, c'était pour un autre clip que j'ai préparé encore. C'était un solo. Ok. On veut s'enjailler. Pas le temps de bailler. On va tout mitrailler. On va tout grailler. On a dit ouais, que vous avez fait plusieurs morceaux. J'ai fait, ouais. J'ai fait en fait à chaque fois que j'allais voir Jules, à chaque fois il faut. T'as la criminelle, il avait dit la même chose. Il a dit on a fait plusieurs morceaux. Ouais. Donc, il a dit on a fait plusieurs morceaux. Souffert de plusieurs morceaux. Comment ça se passe quand vous êtes en studio du coup? Vous je avez. Fianso il m'a attrapé, il m'a dit bon, tu sais quoi? Maintenant, en fait, dès qu'on va se voir, on va faire 3 morceaux. Comme ça, on a fait 3. Parce qu'on a fait 3, mais il y en a un qu'on n'a pas pu enregistrer. Ok. Mais genre le troisième est une tuerie aussi. Hein, quoi. Ok. Non, c'est franchement. C'était au feeling avec lui, tu vois. Ouais. Tout s'est bien passé. Tout le monde te disait c'est un fou ce gars-là. Mais tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Tout corps, ça n'est plein de balles. La roue tournera, quelqu'un d'autre t'aimera. Pendant que tu dormais, il faisait la malade. Il voyait des gadgets quand tu étais pas là. Seigneur, faut pas que ça te rende malade. Quand tu l'attendais, lui, il faisait des balades. Allez, bon débarras. Allez, bon débarras.
Allez, bande de barras. Allez, bande de barras. Allez, bute ta caméra. Parce que là, il y a Jou qui vient de me faire une révélation. Bon, là, j'ai une tête chelou, je viens de me réveiller, j'ai dormi une heure, je suis mort. Voilà, tu es plus jeune quand tu viens de te réveiller. Là, je suis KO, je suis mort. Et il vient de me dire un truc là. Il m'a dit qu'il vient de capter. Et il ment pas. Hein. Il m'a dit qu'il vient de capter pourquoi Bouscapé s'appelle Bouscapé. C'est réel. Car j'ai gambergé, j'ai 2 minutes. J'étais, voilà, c'était des dieux. C'est incroyable. Franchement, c'est beau. Franchement, je trouve ça. Il m'a dit ça, j'ai trouvé ça. C'est incroyable. Comme quoi, t'as vu même les grands artistes de ce monde découvrent des trucs plus tard que les gens normaux, on va dire. C'est beau. Pourtant, je l'ai expliqué. Hein. J'ai expliqué, je me suis pris la tête et tout. Mais voilà. C'est pour ça que je suis pas capté, je suis à l'ouest, moi un peu. Ah, tu vois, voilà, ça prouve que toi, il est dans sa bulle, il est dans son monde et tout. Ouais. Il a dit tout à l'heure, il a gambergé. Il devait être comme ça, tout ça, il devait dire. C'est beau. Merci Bouscapé. Ouais, merci Bouscapé. Merci bien. Vas-y, passe ta main dans ses cheveux. Ouais, cool. Madame n'est pas là, on s'amuse. Si je suis là. C'est cool ça. Allez, bon débarras. Allez, bon débarras. Allez, bande de barra, allez, bande de barra. Pour aller dormir. Monsieur merci Chris Macari. Merci, hein. Merci à tout le monde. Vous avez suivi le tournage de Jules et Alonso. Et franchement, je suis content. J'espère que vous allez kiffer le clip. Et voilà quoi. Merci à vous, c'est plaisir. C'est merci. Merci beaucoup. Fin de tournage. C'est beau. 2h15 du matin, ça tue. Ils ont fait le boulot. C'est propre. On va tout péter. On va l'entendre tout l'été celui-là. Putain, j'espère. Et encore. Si tu veux. Plus, au-delà. On espère. En tout cas, on compte sur la team Jules, la team Alonso. Tout le monde, et merci bien la zone, merci bien Bouscapé pour toute cette journée de fou. Et voilà quoi, une journée de fou furieux, comme d'hab. Merci. Ça a bien rigolé, a bien travaillé. Merci les gars, vraiment merci. Quoi de mieux? On est ensemble. On va encore les entendre. On espère. Jusqu'en décembre. On va dire. Quoi qu'il arrive, c'est fait avec le cœur. Donc logiquement, de cœur à cœur, c'est ça. Ça passe. Merci la zone. Merci la zone. Fais-moi la page, je me le bute. Fais-moi la page, je me le bute.